Regarde, comment il serait riche quand j'aurais beaucoup d'argent. Il achète une grosse villa à ma maman. Ouais, t'as raison, mec. Et après, je prends l'argent. Je fais venir ma femme du bled et ma fille, quoi, tu vois. Ça, c'est mon rêve, je te jure. Ah ouais? Plus tard, je rêverais d'être un grand acteur, tu vois. Mais un grand acteur à Hollywood ou... Ah, et avoir des meufs. Il a tout vu cette... Avoir des meufs. À tire l'arigot, tu vois. Si t'achètes une maison pour maman, et moi, Charo, j'achète une vraie caisse, c'est-à-dire une vraie bagnole, quoi. Maman. Nous venons tous les trois de la Côte d'Ivoire dans le but d'avoir une situation et aider nos différentes familles au bled. Charo est mon frère biologique. Mathieu est notre meilleur ami. Hey, les gars, ensemble pour la vie. Voilà, ensemble pour la vie, ma gars. Ensemble pour la... Chacun de nous avait une spécialité. Tu sais que t'es tout pour moi. Mathieu, lui, c'était draguer des filles et leur soutirer de l'argent. T'es vraiment la perle de ma vie. Vraiment l'amour de ma vie. Et depuis que je suis avec toi, je suis vraiment bien, tu vois. Mais j'ai un seul problème. J'ai vraiment besoin d'argent. Tu comprends? Je sais pas si tu comprends ce que je fais. Si tu veux continuer avec moi, il faut vraiment que tu m'aides, tu vois. J'ai vraiment pas d'argent sur moi. J'ai vraiment pas de thunes. J'ai vraiment besoin de 5000 euros au jour le jour. Est-ce que tu peux me donner ça? T'as besoin de combien? 500 euros. Ok, bah je te donnerai ça la semaine prochaine. D'accord. C'est vrai, ça te pose pas de problème? T'es sûr? Hein? Ouais. Moi, j'ai multiplié l'argent. Charo, c'était l'escroquerie. Tu me donnes 20 euros, ouais. Je te donne 200 euros. Tu me donnes 60 euros, je te donne 1000 euros. 60 euros. Euros. Ok, ouais. Donc, tu tournes 3 fois sur toi et t'inquiète même pas. T'as les 1000 euros, je te donne. Merci. T'inquiète, fais-moi confiance, c'est mon travail. Okay. Ok, tourne sur toi, tourne. Une fois. Et moi, c'était le vol. Monsieur, vous avez fait tomber un billet, s'il vous plaît. Quand je serai très riche, quand j'aurai l'argent, une situation, je vais venir te chercher comme prévu. T'es sérieux? Elle marche? Oui, bien sûr, elle est à côté de moi, tu sais bien. Je viendrai vous chercher, t'inquiète pas. Ok, je t'aime. Bisous. Tu sais, bébé, je t'aime. Ouais. T'es vraiment l'amour de ma vie. Je sais. Depuis que je suis avec toi, je suis bien, tu vois. Je suis bien, mais j'ai un petit problème. Est-ce que tu peux pas me dépanner 5000 euros? Elle lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas de sous, mais qu'elle détenait toujours les clés de son ex, qui gardait assez de liquidités chez lui. Tu vois cette somme, elle est énorme. Mais pour deux. Bah tu sais quoi, j'espère que tu reviendras vite pour qu'on puisse faire tous les trois tout ce qu'on avait prévu avant que tu t'en ailles. Tu penses à la même chose que moi? Bien sûr. Je crois que maman sera fière d'elle. Hey les gars, qu'est-ce que vous faites les gars?
Hey, j'étais avec la meuf dans la douche là. Elle est chaude de ouf. Ah ouais. Mais prenez une bière. Prenez une bière, on se met bien. Peut-être qu'il y a même moyen de faire un truc à trois. Ah ouais. Ouais, je te jure. Ah, peut-être depuis tout à l'heure, elle me fait du rentre dedans et tout. Je te jure. Ah ouais. Je suis désolé. J'étais obligé de le faire. Je suis désolé, mon frère. T'as quoi, mon frère? Bébé, je suis désolé si j'ai pas pu tenir ma promesse. Apprends à ma fille qu'il n'y a pas que l'argent dans ce monde. J'espère que quand elle grandira, tu lui diras qu'elle n'a pas connu un père qui l'a aimé de tout son cœur. Maman, nous te demandons pardon. On a fait tout cela pour vous rendre heureuse. J'espère que tu comprendras. Je vous aime. Adieu.